Monsieur, j'ai une offre de placement adaptée aux indépendants qui, comme vous, je suis salarié. Ah, eh bien, nous avons aussi parlé. On ne va plus du tout parler de mammouth. Nous sommes un peuple, c'est-à-dire. C'est plus de 12 millions d'élèves, plus d'un million de personnel. C'est aussi. L'école n'est pas encore terminée, que les cahiers de vacances sont déjà pris d'assaut les présentoirs des librairies. De la petite section maternelle au lycée, aucun âge n'est épargné, et ces cahiers sont souvent achetés à l'initiative des parents, soucieux de la réussite de leurs enfants. À l'image de Sophie, venue avec ses filles de 6 et 10 ans. Je trouve que c'est une façon ludique de leur faire passer un quart d'heure, une demi-heure par jour, tout d'un coup à autre chose que la piscine, la mer ou l'amusement. Je l'ai fait enfant, donc ça me rappelle des souvenirs. Et où après, c'est un moment où tout d'un coup, oui, c'est le moment calme quand il fait beau et chaud. Absolument, et puis de tenir, de retrouver la motivation. Emma, donc il est vraiment très bien, il permet de bien organiser sa semaine. Le break est fait, 32 points, et puis 23 points derrière, voilà, c'est une légende. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les cahiers que mes élèves utilisent pour travailler. Et puis, je vais vous dire ce que je garde et ce que je vais modifier. Le géant islandais, l'ancien basketteur qui a dû arrêter la compétition après une grave blessure au genou et qui s'est reconverti dans la comédie, évidemment, mais surtout dans la force. 32 points et demi pour Bjornsson. Kiliskovski 23, Chibliakov le russe, Agaïté, Janachia, les hommes de l'Est sont forts, mais c'est Nordique qui domine. Pour l'instant, il est largement devant et il va falloir un exploit pour essayer de se battre parce que voilà, ça semble très compliqué, mais les places d'honneur sont encore à prendre et il y en a deux d'ailleurs, du côté de la Bishop, bien sûr, qui va tenter de monter un peu plus dans ce classement européen sur ses.
fiers de la place, qui sont l'ADN, qui sont la marque de fabrique de cette compétition. Oui, le logo de l'homme le plus fort du monde, c'est Atlas, le titan grec qui soulevait le monde au-dessus de ses épaules. Eh bien, les fiers de la place, c'est un hommage à lui. C'est vraiment l'épreuve phare de ces compétitions. 5 pierres de 100 à 160 kilos qu'il faut poser sur le... Oh là là, l'erreur de Félix. L'erreur de Félix. Et c'est compliqué, il n'y a pas de... C'est l'épreuve la plus technique. Il n'y a pas de prise, on doit faire rouler la pierre sur son abdomen pour la soulever et la mettre sur sa tête. L'application, ce n'est pas l'application de la force pure. Il y a aussi des décisions à avoir. Alors que Marc Félix, lui, toujours très à l'aise là, sur ses épreuves statiques, il va porter la dernière pour la sauveur, le big boy, le grand qui est 160 kg. Allez Félix, il nous a fait rêver aujourd'hui à Nice. Allez Marc, tu peux le faire. Non, c'est trop, lâche. Trop difficile. C'est tellement donné sur les poignets d'Hercule. Ce ne sera pas suffisant hein, pour monter sur le podium. Il reste de grands spécialistes à venir et la prestation là ne suffira pas. Regardez la hauteur, la hauteur du premier promontoire pour la pierre de 100 kg, c'est quasiment au niveau du visage. Au fil des années, on a augmenté la difficulté de cette épreuve. Les pierres sont de plus en plus lourdes, les promontoires de plus en plus hauts. Et c'est très compliqué, surtout pour les petits gabarits comme Marc Félix. Parce que évidemment quand on est petit, c'est plus compliqué de monter cette pierre encore une fois sans aucune prise. C'est pour ça qu'on met de la sève hein, sur les. Absolument, pour avoir un meilleur grip. Et deux frangins Dos à dos les frères Stuntman, ça va être intéressant, ce duel fratricide. Luc et Marc, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Le plus grand, c'est. C'est Tom, l'homme le plus fort de monde. Attention Flo, parce qu'on est sur un super temps d'histoire canon. On est sur il y a peut-être un podium au bout. Il y a peut-être un podium au bout pour Tom. Tom Stuntman, l'homme le plus fort d'Écosse. Le petit frère, l'Albatros, alors que le grand frère, celui de son homme, le Shetland Island. Solide. Allez, son petit frère qui vient l'encourager. Mais ça ne suffira pas. Allez, en place. Dernière tentative. Encouragé par Tom, son allez. Petit frère. Allez, Luc Stoppa. Allez, à 200 kilos, c'est là. Allez, à 200 kilos, c'est là. 200. Allez, à 200 kilos. Allez, à 200. D'habitude, c'est 160. Vous êtes un peu plus fort devant Bretagne. On a monté le poids à 200. C'est 120, 140, 160. 180 et 200 kg. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, au fil des années, on monte les poids. Absolument, vous avez raison, Flo. Aujourd'hui, on a augmenté 200 kg. Et les deux frères Stuntman l'ont passé. Les Écossais qui sont pas loin de chez eux, à Leeds, c'est au nord de l'Angleterre. Donc, beaucoup de supporters qui étaient venus les voir. Quelle masse musculaire, hein. Quelle puissance et quelle technicité pour aller chercher ces 5 pierres. What's the next guy? Who's going to? Et regardez cet homme, regardez ce qu'il a fait, c'est démoralisant de voir ce que mon petit frère a fait. Mais j'y suis allé. He's gonna be one of the best strong men. Voilà, il dit, mon frère, ça va être un des hommes les plus forts du monde. Prends lui, il est déjà l'homme le plus fort d'Écosse, Luc Stuntman. Et il est jeune, il a de l'avenir. Your dreams come true. Yeah, it really is. So, after all you guys, love you to my second. Ladies and gentlemen, Scotland is known for its warriors. We've got two of them here. And we absolutely love them. Les rêves deviennent réalité. Luke Stuntman, et il espère que son petit frère Tom décrochera le titre d'homme le plus fort du monde. En tout cas, on a les deux colosses écossais. Et là, c'est Chibiakov qui est troisième pour le moment, le russe Chibiakov, le militaire. Il a encore une chance peut-être de devenir l'homme le plus fort d'Europe, de détrôner Bjornsson, mais il va falloir réaliser un temps canon. C'est pareil pour Konstantin Janachian, le taureau géorgien. Voilà, le petit cri de Chibiakov. Ça branche.
pour Janashia. Le meilleur temps, c'est Tom Stoltman, qui était en 21 secondes. Chidiakov, il reste là, il arrête. Il se rend compte que de toute façon, il est battu pour le podium. Et il ne veut pas se mettre dans le rouge. Il y a beaucoup d'épreuves tout au long de la saison, d'homme le plus fort du monde. Et ce serait dommage de se blesser sur cette dernière pierre de son kill. Et puis on est en sensation aussi, c'est-à-dire que l'athlète le sait quand il peut, quand il ne peut pas, quand il doit y aller, à un moment donné, malgré ce qu'il est utile, il ne le sort pas, il ne faut pas y aller. Et de toute façon, voilà, Janashia a été monstrueux. Allez, regardez ces images. Hein. La fraternité de ces colosses. Et voici les deux. Les deux meilleurs. Les deux premiers pour le moment de cet homme le plus fort d'Europe. C'est donc la finale. Bjørnson, la montagne, l'Islandais face à Kieliskowski, le Polonais. Il y a un petit peu d'avance, Bjørnson en général. Kieliskowski doit faire l'exploit de sa vie pour devenir homme le plus fort du monde. Oui, il a plus tout à fait son destin en main et on voit pas comment ça va possible. Surtout que regardez, Bjørnson prend un bon départ. Il faut faire moins de 21 secondes pour Kieliskowski. C'est le meilleur temps sur le temps de l'Écosse. Attendez, regardez ce que fait le Polonais. Regardez ce que fait le Polonais. Il est bien Kieliskowski. Allez, 21 secondes, c'est tout le monde. S'il fait plus de 21 secondes, il peut peut-être devenir le plus fort de monde sur la chaîne d'élimination. Ah, 22! Regarde le temps. 22 secondes, 61. Ah, il est déçu, à une seconde près. Il finissait premier. Et Bjørnson va remporter au général son classement. Oui, il a arrêté Bjørnson. Il a compris, ça suffirait pour être le vainqueur aujourd'hui, Edith. La troisième pierre, et après, il a fait ses comptes dans sa tête, Bjørnson. Il a calculé que ça lui ferait suffisamment de points et que Kieliskowski ne pourrait pas le rattraper. Bien joué tactiquement, Bjørnson. Quel performance de Stoltman, franchement, 21-80, c'est vraiment du temps record du monde. Bjørnson, 35 points et demi, et donc, une nouvelle fois, mon cher Fred, l'homme le plus fort d'Europe. C'est la deuxième année consécutive, et l'année dernière, il a fait le doublé, homme le plus fort d'Europe, homme le plus fort du monde. Est-ce qu'il sera à nouveau l'homme le plus fort du monde cette année? Eh bien, ça, la réponse, vous l'aurez aussi sur la chaîne d'équipe, la chaîne La Force. La Force est avec vous, vous savez. Et voici le soulève ce trophée qu'il avait déjà eu l'année dernière. Bjørnson, Thor, le super-héros. Allez, regardez le groupe Islandais voilà, qui soutient. Il y a toute une famille derrière du monde. Et il se déplace à chaque fois. Et oui, et comme il est Islandais, je dirais que c'est l'homme le plus fier de Thor. Ah, là, Flo, vous êtes mon héros. Allez, coup d'œil sur ce garçon extraordinaire. Clin d'œil pour une légende. Ouais. Thor. Quand le marteau vient encore de frapper ici, homme le plus fort d'Europe. Allez, c'est le soir.